Nordiste grâce à un but de la tête. Le PSG occupe désormais la quatrième place au classement. Au classement général. La météo de Patricia Charbonnier avant la suite de votre boulevard des clips. Prochaine M6 Express, 10h45. C'est un temps variable qui nous attend aujourd'hui lundi. Le ciel se montrera bien nuageux sur la plupart des régions. De la Bretagne à la Normandie jusqu'au nord, la pluie est présente dès le matin. Les averses deviendront même plus fortes dans l'après-midi. Plus au sud du Languedoc-Roussillon à la Provence-Côte d'Azur, les ondées seront de la partie. Elles pourront prendre un caractère orageux sur les reliefs. Partout ailleurs, les passages nuageux alterneront avec les éclaircies. Côté Mercure, nous aurons de 16 à 18 degrés en général. Le maximum sera de 19 degrés à Clermont-Ferrand. Tarty, le contrat de confiance. Nucini de Milka présente. Boum, va, boum, 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 va, boum, boum, va, boum, 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 va, papidoubidouap. RFM présente Calvin Russell. I'm just a soldier fighting that sorrow. Les racines du rock. Calvin Russell, extrait de l'album Soldier. Vous aussi, vous avez besoin de la garantie hospitalisation qui vous paie 300 francs par jour d'hospitalisation. Prenez l'exemple d'une de nos clientes qui sort de l'hôpital. Voici les dépenses qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle. Chambre individuelle, garde des enfants, frais divers, en tout 5380 francs entièrement à sa charge. Avec la garantie hospitalisation, elle a touché 300 francs par jour, soit en tout 6000 francs, ce qui est largement suffisant pour payer tous ses frais. Alors appelez tout de suite le 05 17 05 18 pour une documentation gratuite. Appelez le 36 65 16 16 pour découvrir le coup de cœur vidéo de M6 cette semaine, Bugsy. Warren Beatty est Bugsy, star ou gangster, impitoyable ou romantique. 10 nominations aux Oscars par le réalisateur de Rain Man et de Good Morning Vietnam. Bugsy, un grand film somptueux et mouvementé. Alors vite, appelez le 36 65 16 16 pour gagner la cassette de Bugsy, un gagnant tous les 500 appels. Dans la collection Mary Higgins Clark, chassez croisés mortels et désordre amoureux pour une intrigue signée par la dame du suspense. J'aimerais bien aller voir Lisa. Aller la voir à Londres? On peut se voir jeudi prochain? Oh non, ma chérie, non. Après la mort de sa sœur jumelle, elle croit avoir perdu une partie d'elle-même. Tu vas me dire où tu étais? Viens, au revoir! Vous n'avez rien à faire ici. J'ai besoin de parler à votre mari. Non, il n'en est pas question. C'est là-haut, en car à bateau qui est près de la rivière. Je te rejoins là-bas dans une demi-heure. Ou tu continues à faire semblant d'être ta sœur, ou tu rentres avec moi. Je dois lui parler. Ce sera selon mes conditions. Ces gens sont dangereux, je l'avais prévu. Double vision, mercredi à 20h45. Laisse-moi m'occuper de toi. Avec Télézel. Nucini de Milka présente. Clip de. Même. Clip, clip. Clip de. Avec Nucini, retrouvez tous les jours le clip de la semaine et jouez pour gagner chaque semaine l'un des 100 albums CD de ce clip. Nucini. RFM présente Calvin Russell. I'm just a soldier fighting that sorrow. Les racines du rock. Calvin Russell, extrait de l'album Soldier. Découvrons ensemble la nouvelle collection des bijoux Matisse. L'or, ce métal ô combien précieux qui permet toutes les fantaisies. Imaginez ce collier serti de diamants et rehaussé de votre prénom. Et si vous voulez briller de tous vos feux, Matisse célèbre ici un somptueux mariage d'or, de diamants et de saphirs. Quel éclat! L'or toujours, admirez cette bague 3 or pour un prix en or lui aussi.
la perle, la pureté, l'élégance. Ici, des clous d'oreilles très discrets, comme leur prix. Je vous présenterai bien toutes les créations Mati, mais il y en a tellement. Alors, si j'ai un bon conseil à vous donner, appelez vite ce numéro et vous recevrez une documentation complète qui vous permettra de découvrir chez vous, tranquillement, tous les bijoux Mati. Et si vous téléphonez tout de suite, vous bénéficierez en plus d'un bon de réduction de 20% sur le bijou de votre choix. Alors appelez vite le 0520 0510. L'appel est gratuit. 0520 0510. Qui est tombé pour la France? Et qui fait du taxi avec Joe et l'oiseau pour Coco? Et qui chante n'importe quoi? Et qui en a marre de cette nana-là? Et pour qui les prunes ne comptent pas pour des brunes? Et qui est un homme heureux? Et qui joue du piano debout? Et qui va gagner un gros cadeau? Alors, jouez au Quizcoeur et gagnez un lecteur laser portable, programmable à télécommande. 3615 M6, ça marche au doigt et à l'œil. Jouez au Jackpot. Appelez le 36 65 16 16 pour écouter et gagner notre disque coup de cœur. Cette semaine, le disque coup de cœur Midnight Oil Truganini. Vite, appelez le 36 65 16 16 pour gagner un mini CD Truganini de Midnight Oil. Un gagnant à chaque centième appel. (10h45, rebonjour. Le premier tour des élections législatives, marqué hier soir par un raz-de-marée de la droite, par un cuisant échec pour le Parti Socialiste et par un effondrement des écologistes eu égard aux sondages d'opinion. Je vous donne les résultats en voix, publiés il y a quelques instants par le ministère de l'Intérieur sur la totalité des 577 circonscriptions de métropole et d'outre-mer. Le Parti communiste, près de 9,2% des voix. Les socialistes, les radicaux de gauche, la majorité présidentielle dépasse tout juste les 20%. Les écologistes, 7,6%. Le RPR, l'UDF et les divers droites recueillent un peu plus de 44% des suffrages. Le Front National, lui, dépasse les 12%. En projection de siège, les instituts de sondage donnent une écrasante majorité à la droite, RPR-UDF, entre 460 et 480 députés. Le Parti Socialiste devrait en avoir 55 et 80. Le Parti communiste de 14 à 22, le Front national peut espérer au mieux 5 députés et les écologistes un seul au maximum. Leurs principaux candidats écologistes ont été éliminés au premier tour, reste Dominique Voynet en ballottage difficile dans le Jura. Comme prévu, Laurent Fabius, le premier secrétaire du Parti socialiste, a officialisé hier soir la décision des socialistes d'un désistement sans condition au profit des candidats de gauche et des écologistes les mieux placés. Mais Antoine Vechter n'a pas voulu donner de consigne de vote pour le deuxième tour. Ambiance hier soir chez les écologistes et au siège du PS. Philippe Carrel. 20h, rue de Solferino, siège du Parti socialiste. Les résultats tombent, bruts, secs et pour tout dire douloureux. La rose est fanée, réaction du militant de base. Je pense qu'il faut se battre un minimum pour le second tour et sinon voir dans quelques années parce que là dans l'immédiat ça va pas aller très loin. Je sais pas, il va y avoir moins de 100 députés de gauche, ça va faire très mal. Finalement c'est pas si mal que ça, près de 20% c'est pas si mal que ça, sans tarder à pire. C'est peu. C'est peu. Vous croyez à une réaction deuxième tour? Je crois pas grand chose, non. Plutôt pessimiste. Ben, on est un peu déçus, mais on s'y attendait, donc il faut faire face. 20h15, le premier des socialistes intervient. Tout est perdu, y compris l'honneur électoral. Le repli tactique s'amorce. Au secours des écolos, la droite revient. Nous appelons dès ce soir à voter au deuxième tour pour le candidat de gauche, écologiste ou progressiste, placé en tête par le suffrage universel. Nous prenons nos responsabilités, nous souhaitons que chacun agisse de même. En troisième position, on attendait les écologistes, ce ne sont pas les écologistes. Même heure, même ambiance morose, les petits hommes verts sont déçus, avec en prime la rancœur au poing. Lesquels ?
Les gens du PS ont envoyé des listes sous-marines. Sur leur bulletin, ils marquaient les écologistes. Il y a plein de gens qui se sont fait tromper à cause de ça. Qui ont cru voter pour nous, qui ont voté pour des listes qui étaient des sous-marins du PS. Deuxième tour. Nous maintenons nos candidats quand ils peuvent se maintenir et nous ne donnons pas de consignes de vote. C'est ce à quoi nous nous étions engagés. Et nous tenons toujours nos engagements. C'est la preuve que les Français veulent pas que ça change. Là, c'est clair, au plus qu'ils se plaignent, au pas qu'ils râlent, ils veulent pas que ça change. Ça leur plaît comme ça dans la majorité. Alors, pas de verre, bonjour les dégâts. L'avenir est devant vous, vous inquiétez pas, tout va bien. Et buvons quand même un petit coup à nos prochains succès. Voilà. Seules des personnalités de droite ont été élues au premier tour. 80 selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, 42 pour le RPR, 36 pour l'UDF et 2 élus divers droite. Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur ce premier tour du scrutin dans notre prochaine édition à 11h47. Pour le reste de l'actualité, voici le résumé de Sylvie Lebaille. À Moscou, Boris Eltsine s'est doté de pouvoirs exceptionnels en instaurant une administration présidentielle directe. Mais le président du Parlement russe et les conservateurs dénoncent la dictature et engagent un processus de destitution d'Eltsine. Le 25 avril, les Russes sont appelés à soutenir Eltsine et à approuver une nouvelle constitution par référendum. Hier, pendant que pro et anti-Eltsine manifestaient à Moscou, la communauté internationale a réaffirmé son soutien au président russe. 700 musulmans évacués de Srebrenica sont arrivés samedi à Tuzla. Quelques centaines de Serbes qui vivent dans cette enclave musulmane pourraient en être évacués à leur tour aujourd'hui. L'évacuation des Serbes de Tuzla est en effet l'une des conditions posées par les Serbes au général Morillon qui tente d'obtenir l'ouverture d'un couloir humanitaire pour Srebrenica. David Owen, le médiateur de la crise, de son côté, aurait obtenu hier un accord global pour l'évacuation des musulmans de Bosnie-Orientale. Sept membres de la secte des Davidians sont sortis hier de la forteresse de Waco, au Texas. Au total, 34 personnes, dont 21 enfants, ont quitté la propriété assiégée depuis le 28 février dernier. Selon le chef de la secte, David Koresh, 82 adultes et 17 enfants seraient encore retranchés avec lui. Depuis le début du siège de Waco, 4 agents fédéraux ont été tués et 10 Davidians auraient trouvé la mort. Dans un instant, votre série Dr. Marcus Welby, à tout à l'heure 11h47. C'est un temps variable qui nous attend aujourd'hui lundi. Le ciel se montrera bien nuageux sur la plupart des régions. De la Bretagne à la Normandie jusqu'au nord, la pluie est présente dès le matin. Les averses viendront même plus fortes dans l'après-midi. Plus au sud du Languedoc-Roussillon à la Provence-Côte d'Azur, les ondées seront de la partie. Elles pourront prendre un caractère orageux sur les reliefs. Partout ailleurs, les passages nuageux alterneront avec les éclaircies. Côté Mercure, nous aurons de 16 à 18 degrés en général. Le maximum sera de 19 degrés à Clermont-Ferrand. Tarty, le contrat de confiance. Dans un instant, Dr. Marcus Welby. Ce soir, dans la séance du lundi, la tour infernale. Bonjour. Là, j'y comprends rien, les clapets d'aération ne s'ouvrent pas. Le moindre câble que j'ai fait monter était réglementaire, inspecté et approuvé. Suspense flamboyant. C'est brûlant. Distribution ardente, film incendiaire. Bien, gros dégagement de fumée. 81e, c'est ça? Bienvenue dans la fournaise. Steve McQueen, Richard Chamberlain, Paul Newman, Faye Away, Fred Astaire, William Holden. Ce soir à 20h45, dans la séance du lundi, la Tour Infernale. Et moi qui croyais que vous m'aviez invité pour mon adresse légendaire à la table de billard, je m'aperçois que c'est uniquement...